Parce que là, avec tous les dialogues que je viens d'avoir. Ah bah oui, complètement. C'est vrai qu'elle est dans une ville qu'elle connaît pas, avec des gens qu'elle connaît pas, elle arrive à se débrouiller toute seule, enfin. Sans l'aide de personne, hein, visiblement. C'est beau. Voilà. Maintenant, vous pouvez visiter le jardin à votre guise. Je voulais vous dire, je suis pas un menteur, hein. Il fallait tenir cette histoire secrète, vous comprenez? Pour la bonne réputation de l'université. J'ai des patrons et il faut que je fasse avec. Je comprends. Rassurez-vous. Merci à vous, mademoiselle. Allez, on y va. C'est cool ça. Je peux en prendre autant que je veux. J'en ai pas besoin pour le moment. Ah bah non, c'est bon. À pas faire tout le jardin non plus. Allez, hop. Je vais la donner aux oiseaux. Faire à tous les coups 50 arrêts avant d'arriver en Sibérie, et quand on va trouver Hans, on va juste se dire enfin. Donne les pitis. Allez. Oh, c'est haut, mon Dieu. Comment il a fait pour pas décéder quand il est tombé de la passerelle, vous m'expliquez? Ça fait quand même très très haut. Des œufs. Impossible de l'atteindre. Ah mais tu te moques de moi. C'est une blague. Tu peux pas tendre la main. Impossible de l'atteindre. Et comment je fais moi? J'ai rien. Bah super. Et ben cool. C'est bloqué. Encore. Je trouve un truc pour l'atteindre, sérieux. Voilà. N'empêche que j'ai pas vu comment on faisait pour le remettre en route. Hein. Il est cassé. Hein. Pardon, il y a un des chats qui vient de péter un câble.
Ah bah, il a dit qu'il avait mal au dos, tu m'étonnes. M'étonne cette histoire d'oiseau quand même. Parce que j'ai pas d'autre chose à faire. À part cet œuf, j'ai vraiment examiné tous les endroits. Et je vois pas d'où je peux le réparer en fait. C'est ça qui me paraît bizarre. Je vais retourner voir parce que ça m'intrigue. Moins qu'il faut que je retourne lui parler encore une fois. Je peux pas du tout l'examiner. Non, il est vraiment au-dessus du sol. Bon. Et sauf que ça, j'en ai besoin pour faire le truc du milieu, pour avoir l'argent, pour payer les deux gus, là, qui puissent remorquer le train. Donc, il y a peut-être un truc que j'ai pas vu. Et mon crochet, je sais toujours pas quoi en faire, hein, quand même. C'est peut-être pour après, du coup, pour justement accrocher le train. Quand on pourra le remorquer. J'ai visité tous les endroits. J'ai pas vu d'outils par terre. Mademoiselle. Oh putain. Mademoiselle. Oui, je m'en fais peur. Oui, quoi? Oui. Je voudrais m'excuser à propos de notre petite embrouille. Alors, je vous ai apporté cette bouteille de vin. Allez hop. Du Sauvignon de Barockstadt. Un millésime exceptionnel. Vous m'en direz des nouvelles. Je suis très touchée. Merci beaucoup. Allez, bonne chance pour votre voyage, mademoiselle. Merci. T'aurais pas plutôt une pince ou un truc comme ça ? Excusez-moi de vous déranger. Que puis-je pour vous, mademoiselle ? Je me sens un peu perdue ici. Ouais, j'aurais non, grand ça besoin de votre aide. Pour un renseignement, ben, je suis à votre disposition, ma petite dame. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, monsieur le chef de gare. Bienvenue à Barockstadt, mademoiselle. Peut-être que je peux leur donner la bouteille de vin, mais ils vont me donner quoi en retour ? Moi, je veux bien leur donner, hein, mais bon. Allons-y. Oups. Je clique à côté. Terrible. Du coup, je décale tout à chaque fois en plus. Oh, attendez, pardon. Les trois génies, là. Monsieur. Excusez-moi de vous déranger à nouveau, mais j'ai un petit problème. Un petit problème, un petit problème. Tout le monde a un petit problème.
Ça se garde pour soi, et ça n'empêche pas le monde de tourner. Et ni les trains d'avancer. Nous causons. Mais je peux pas leur donner. Déjà ? Mon Dieu, comme le temps passe vite. Nous avons été positivement charmés de votre visite, mademoiselle. Je vous remercie infiniment, messieurs. Je peux pas leur proposer des choses à eux. Si. Non, je peux pas leur donner. Je peux les donner Je peux le donner à la péniche. Est-ce que au lieu de l'argent, vous voulez bien du vin? Honnêtement, bonne technique, hein. Oh ben non, mais non, bah non, mais je casse tout. Bon, c'est pareil, après va se poser le problème de l'écluse et après voilà. Bon, je vais essayer, hein. On va aller les voir. Parce que c'est pareil, l'écluse elle est cassée, y a rien qui fonctionne. Je veux bien la boire toute seule dans le train, la bouteille de vin. Ça suffit. Alors, les deux là. Et par là. Hop. Alors proposer, écoutez. Je vois pas à quoi ça peut me servir d'autre. Non, c'est pas eux. Ok. Bah, je peux rien en faire pour l'instant. Cool. Eh bien du coup, je ne sais pas quoi faire. Je peux les donner à Oscar. J'ai essayé toutes les personnes. Hein. Donc à part s'il faut que j'en fasse quelque chose... la proposer à Oscar. La proposer du vin à un automate. Ça va être cool. Le crochet, ça fonctionne pas sur les œufs. Il y a un truc que j'ai loupé. C'est quoi l'autre... Non. Mais non, je veux regarder. À l'histoire du champignon, là, je sais pas... Je ne sais pas. Il n'y avait rien d'autre dans le jardin. Ça me dit rien. En tout cas. Du vin? Non. Alors. Est-ce que j'ai pas assez bien regardé? C'est très possible. Alors, mais non, attendez, c'est pour... Ah, non mais attends, retourne par la sperme. C'est pour mettre dans le train? C'est pour mettre sur une des étagères, peut-être? Tout simplement. Oups. Je me demandais s'il n'y avait pas genre un outil qui traînait ou quoi pour prendre l'œuf. J'ai
peut-être mal fait l'histoire de truc, non? C'est bizarre. Ou alors j'ai mal fait le crochet et je pouvais peut-être prendre l'oiseau plutôt que cliquer sur l'œuf. Bon, je vais remonter, de toute façon je pense que c'est ça. Hein. Ah, j'ai oublié des trucs, hein, c'est possible, mais là... Pour moi c'était bon quoi. S'il y a des endroits que j'ai pas vus, bien sûr. C'est si long, par contre, pour monter à chaque fois. Quel enfer. Le mettre non c'est pas ça. Je me demandais si je pouvais le mettre à un endroit de l'armature ou quoi, mais non. Bon, tant pis. Il y a aussi cette histoire d'écluse, hein, mais bon. J'essaie de mettre ça dans le train. Ça va peut-être pas du tout m'aider, mais bon. Sauf que c'est pas ça. En fait, il faut vendre la bouteille de vin à quelqu'un. Très possible. Mais à qui? À qui je la vends la bouteille de vin? T'en veux toi de la bouteille de vin? Non. Parce qu'il y a quand même pas 50 000 personnes quoi. Je me doute que c'est ce que je dois faire. Mais ouais, faut que je parle dans la conversation. J'ai fait quoi? Bah, pas mal de trucs quand même, hein. Là, j'ai la bouteille de vin, j'ai fait peur aux oiseaux, j'arrive à monter en haut. Je suis allée du coup dans le jardin, je sais qu'il faut que je fasse un truc pour avoir de l'argent des recteurs. Ohé, du bateau. Ohé. Guten Tag, schöne mademoiselle. Mon mari dire bonjour, petite dame. Toi veux nous parler? Vous voulez pas du vin? C'est quand même pas très correct de tirer profit de ma situation. Par solidarité, on pourrait se rendre service gratuitement. Service, service. Alors, boulk notre foule. Monnaie, ya, boulk foule. Pardon? Ma mari dit besoin d'argent pour vivre. 100 dollars, pas cher. Pas grand chose pour grande dame comme vous. Mais qu'est-ce que vous en savez? Une grande dame comme moi. Je vous laisse. Je ne voudrais pas vous déranger davantage.
La svidania. Donc eux, ils m'ont dit qu'il faut de l'argent pour qu'ils tractent du coup la péniche jusqu'au mur. Le problème, c'est que j'ai pas d'argent, hein, on va se l'avouer. J'ai un crochet qui me sert à rien. Je dois faire ce truc d'écluse là, mais je peux pas le faire. J'ai appelé le numéro et ça s'est pas très bien passé. Je peux rien faire, je peux pas l'examiner ni rien. Ils m'ont dit d'activer sinon l'écluse moi-même, mais bon. Je peux pas y aller de toute façon. Donc. Voilà. Je suis sûre que pour le truc du milieu, il faut l'œuf, mais du coup, comment je le récupère? C'est une bonne question. Je vais demander à lui si j'ai pas l'option. Parce que là, ça me dit juste pour, du coup, dans ça, pour les nids, c'est tout. Comment on reconnaît dans le nid tout ça, patacoufin. Alors, comment les atteindre, les nids, ça c'est autre chose. Lui, il m'a dit qu'il fonctionnait plus, et qu'il... mais c'est tout, quoi. Pas de douche, je peux l'activer ou quoi. Tu vas où? Non, mais c'est pas possible. Oh là là! Mm-hmm. Je peux retourner voir Jackie. D'autres? Excusez-moi de vous déranger. Que puis-je pour vous, mademoiselle? Tous ces oiseaux dans une gare, ouais, c'est non, étonnant. Ça, ouais. C'est pas une simple gare, ma petite dame. Ces oiseaux constituent la prestigieuse collection ornithologique de l'université de Barokstadt. Cette volière a accueilli au fil des ans les espèces les plus surprenantes, ramenées des quatre coins du monde. Je ne suis donc plus un simple chef de gare. Je me dois de veiller sur tout ce petit monde. Oh, c'est pas une mince affaire, ça je vous l'assure. Je veux bien vous croire. Le plus dur, voyez-vous, est de préserver une sorte d'harmonie entre toutes ces espèces. Je peux pas, je peux pas. Hélas, un jour, un explorateur a rapporté un couple de coucous d'Amerzone. Ce n'était pas une bonne idée? Une idée regrettable. Comme tous les coucous, ce maudit volatile dépose ses œufs dans le nid d'autres espèces. Mais en plus, il pousse en dehors du nid les autres œufs qui s'y trouvent. Salut, panthère, comment vas-tu? Le sien soit couvé. En effet, voilà un oiseau bien exclusif. Mais vous ne pouvez rien faire pour l'en empêcher? La faculté a déclaré que cet oiseau était un spécimen rare auquel il ne faut pas toucher. Seule notre règle mécanique nous permettait de limiter le désastre. Vous avez un automate ici? Une petite merveille montée sur rail aérien est capable de ramasser périodiquement les œufs parasites. Malheureusement, depuis des années, cet aigle ne fonctionne plus et il m'est impossible de ramasser ses œufs moi-même. Pourquoi? Ah! Je n'ose plus monter sur la passerelle. Je suis tombé de là-haut il y a quelques mois et je me suis fait affreusement mal au dos. Maintenant, j'ai un épouvantable vertige uniquement en levant les yeux. Mon tu pauvre m'étonnes. Monsieur, ça doit être bien ennuyeux. Des œufs des coucous s'entassent dans les nids. Les recteurs vont finir par s'en apercevoir. De graves problèmes en perspective. Oh, j'ai bien du souci. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, monsieur le chef de gare. Bienvenue à Barokstadt, mademoiselle. Je suis pas vraiment aidée. Ah, j'avoue, j'ai même plus d'idées, quoi. Enfin, si, j'ai des idées, mais irréalisables.
par là-bas, je peux pas y aller. Ah, attendez. Ah non, mais c'est... Oui, mais c'est l'entrée de la gare. M'en fiche. M'en fiche de ça. Oui, il faut déloger l'œuf et je ne sais, j'ai rien pour le faire. J'avoue que je ne comprends pas ce que je dois faire. J'ai essayé de lui reparler. Excusez-moi, professeur. Bah ouais, je pense aussi. Professeur, puis-je encore vous déranger ? Que voulez-vous savoir, mademoiselle ? Je vais vous laisser. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Pardon ? Mais pas du tout, voyons. Ici, c'est verrouillé. Inutile d'insister, c'est verrouillé. Super. Là, je peux y aller, je crois, mais ça me donne rien. Je peux monter à l'escalier ? Ah là là. Bien. Ah. Bonjour. Non, non, mais non, mais t'en vas pas. Non, mais c'est vraiment... C'est vraiment la pierre. Attends. Non, mais... Je vois même pas ce que je peux cliquer. Très pratique. Monsieur, je peux pas lui parler ? Bah ici ça va, écoute. On essaye d'aller en Sibérie, c'est compliqué. Et je peux rien faire. Bizarre quand même, non ? Oui. Inutile d'insister, c'est verrouillé. Je peux pas parler au monsieur. Je peux rien faire. Ah ouais? Bah pourquoi je peux pas lui parler? Moi c'est ça qui me perturbe. Bizarre. Qu'un endroit serve à rien, c'est bizarre quand même. Tu veux du vin? J'ai du vin si tu veux. Mais de toute façon, je peux pas lui parler. Ça, c'est comme les étudiants de la bibliothèque en fait. Et ça, je peux même pas le toucher. Donc ça me sert à rien en fait. Gros environnement. Je peux même pas aller derrière. Oui, Dova, si tu veux. De toute façon, je vais pas tourner 10 ans. Oui,
Bah, je peux pas le toucher. Je peux pas le toucher. En fait, ça me fait juste revenir à la scène d'avant. Je peux pas le regarder. Voilà. Oui, mais je peux pas y aller. Ça, c'est pareil. C'est un lieu que j'ai pas. C'est un lieu, je sais qu'il existe. Mais je ne l'ai pas. Puisque... Ah non, mais c'est moi qui lui demande, donc c'est-à-dire que... Voilà. Non mais en fait il y a plein de trucs, t'as l'impression qu'ils sont surbrillants, c'est que tu peux le faire, et en fait pas du tout. En fait je sais que lui, il a... là je peux y aller. C'est une porte que j'ai pas testée. Ah d'accord, ok. Inutile d'insister, c'est verrouillé. C'est une porte dans laquelle je peux pas aller. Donc je peux pas y aller. Je suppose que c'est son labo à lui, mais comment je fais du coup? Que voulez-vous savoir, mademoiselle? Super, quoi. Que diriez-vous de revoir Hans Vorarlberg? Après tout, vous pourriez venir avec moi et m'aider à le trouver. Vous n'y pensez pas, jeune fille. Oh, je suis bien trop vieux pour les escapades. Oui, devine de oui. je sais pas. Pourquoi tu... Comment... Mon train s'est arrêté dans une bien curieuse volière. De nombreuses espèces d'oiseaux semblent y avoir trouvé refuge. Bien que l'ornithologie ne soit pas du tout mon domaine de prédilection, je dois reconnaître que cette gare constitue la fierté de l'université. Elle était censée accueillir des étudiants, bien sûr, mais aussi des oiseaux venus du monde entier. Il semblerait que des espèces très rares... Vous arrêtez de deux fois plus... Ah, mince. ...continue d'y proliférer. Ah oui là, je vais vous les... Pardon. Je peux cliquer... Ça fait 10 fois que j'essaye. Alors. Alors moi, je veux bien y aller, hein, mais comment on fait? Parce que tous les endroits sont fermés. Donc... je fais comment? Même la porte là, elle est fermée. Là, je peux pas y aller, c'est fermé. Oh là là, bah oui, bah. Je me doute bien. Mais j'ai parlé à tout le monde, je comprends pas. Alors. Y aller par là? C'est le même. Donne-moi la clé du labo! C'est là où il produit son vin. Pareil, le vin, je peux pas lui donner. Oui. Il y a un chat qui est en train de me miauler dessus. C'est pourquoi? Viens. Il faut toujours des objets, hein, c'est terrible. Salut. Ça va? Pourquoi miaules-tu? Bah ouais. Écoute, je suis... Je me sens perplexe. Allez, viens. Je me sens perplexe devant ces environnements, en fait. J'ai l'impression qu'il y a plein d'endroits que je rate, ou des indices que je rate. Des trucs que... Enfin, je... Je sais pas trop. De toute façon, j'ai tout examiné, en fait, non. Ok. Ça me fait peur. Mais ok.
J'aurais pas dû tout chercher par là, de toute façon. Oh là là, non. Tu sais qu'il y a des outils sur le côté du train qui me perturbent depuis le début du jeu. Ouais. Merci. Et alors qu'on peut pas les prendre. Tous ces escaliers tout le temps, c'est génial. Ce serait trop bien si je pouvais aller dans les autres wagons du train. Imaginez. Mais non, je voulais que t'ailles dedans. Oh, bon bah fais le tour maintenant. Non mais... C'est ça le problème aussi, c'est que moi je veux bien chercher pendant longtemps. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est juste insupportable quoi. Autant que tu fasses le tour à chaque fois, c'est bon quoi. Tu vois, il y a des outils là à chaque fois. Depuis le début du jeu, ils sont là. Ça me perturbe énormément. Ah bah c'est ce qui s'est passé pour plusieurs fois pendant les premières heures, ouais, Panther. On s'est rendu compte que effectivement c'était sur le même écran depuis le début. J'étais très contente. Du coup c'est vrai que niveau fun, on est sur autre chose quoi. Je demande à Oscar. Tout va bien Oscar? Oui, Kate Walker. J'attends vos consignes. Vraiment, Oscar, vous ne voulez pas m'aider à trouver un moyen de remonter ce train? Si je sors de cette locomotive, la rouille me guette, Kate Walker. Et que feriez-vous d'un machiniste rouillé? Pas grand-chose, je suppose. Je file, Oscar. À plus tard. Oui, Kate Walker. Alors... Inutile de m'encombrer. Et là, pour la première fois du jeu, elle fouille dans sa valise. Ne serait-ce pas incroyable? Quoi? Oui, d'accord. J'avais pas compris, oui. Bah oui, c'est ça, voilà, c'est bon. Je peux enlever les trucs. Ok, bah c'est bon, j'ai compris. Mais non, mais là, bon, pff, je... Ok. Moi, je suis fatiguée. À un moment donné, voilà. Oh, c'est pas... On le vole pas, c'est nous qui l'avons trouvé et mis dans le train pour qu'il démarre. Mais là... Si en plus on revient vers les objets qu'on a déjà trouvés pour les montrer à d'autres gens, moi je laisse tomber. C'est ça exactement. C'est-à-dire que si t'avais juste des flèches pour cliquer de scène en scène, ça irait plus vite comme navigation. Là, les animations, alors oui, hein, ça fait très RP, mais les escaliers, moi j'ai envie de mourir quoi. C'est bon. Mais en plus, oui, c'est pas comme si c'était une maison ou, je sais pas moi, un petit village ou un truc comme ça, là, quand même. Rien que pour là, pour aller voir le chef de gare, puis le paléontologue, puis
les recteurs, puis revenir au chef de gare. Vous avez vu le temps que ça prend? C'est un peu... relou, quoi. Tiens, monsieur. Merci, Dova. Excusez-moi, professeur. Professeur, puis-je encore vous déranger? Professeur, je vous ai apporté quelque chose qui, je pense, devrait vous intéresser. Tenez. De quoi s'agit... La poupée mammouth? La poupée de Hans, n'est-ce pas? La poupée mammouth. Bien sûr, c'est elle. Mais comment l'avez-vous? Oh, par quel prodige vous... Oh mon Dieu! Je la tiens enfin entre mes mains. Elle existait donc. Moi, je croyais qu'il me croyait, en fait. C'est tout. Excusez-moi, je suis bouleversé. Mais visiblement non. Votre Hans et mon héritier Vorarlberg ne font qu'un. C'est incroyable! Après toutes ces années. Oh, comment vous remercier, mon enfant? Je file de ce pas dans mon laboratoire. Je dois l'étudier attentivement. Je vous emprunte ce trésor un petit moment. C'est-à-dire que... Ne vous inquiétez pas, j'en prendrai le plus grand soin. Mademoiselle, il me paraît de la plus haute importance que, cet après-midi, j'improvise un cours autour de cet objet. D'ailleurs, si l'histoire de Hans Vorarlberg vous intéresse, je pense qu'il est primordial que vous y assistiez. Écoutez, on s'est tapé un journal de 1000 pages sur cette personne. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Et je vous appelle dès que mon exposé commence. Je vous rendrai cette poupée juste après, promis. Cool. Isba. Et où ton labo? Ah. J'ai fait bugger la scène à moitié. Alors... Moi, Hans, on va le rencontrer, on va lui dire, on sait toute ta vie, t'embête pas. Tout va bien. On peut plus démarrer le train maintenant. Cette musique. Des mammouths partout. Et là on tire tout ce qu'on peut. Vite. Alors on a eu une pince et on a eu de la poudre de Yankala Cola. Et je l'ai eu avant l'explication en plus. J'ai eu l'explication avant le truc. Eh bien, bonne nuit Meika, merci beaucoup à toi d'avoir été là et puis à plus du coup. Bon, allez, salut hein. Tout à l'heure. C'est ça. Non, on a déjà vu tout à l'heure que ça servait du coup aux chasseurs pour avoir un œil plus plus aiguisé. Et qu'il fallait le boire en poudre du coup. Je sais pas à quoi ça va nous servir, mais on verra tout à l'heure. Pour l'instant, on va récupérer cette œuf. Oh wow. Je m'amuse. Oh. Je craque. Je craque. Courir. Merci. Non, en vérité, j'aime beaucoup le jeu. Mais il y a des phases qui sont relativement reloues quand même.
Notamment les allers-retours de 3000. C'est un petit peu, voilà. Mais j'aime beaucoup les point and click. Pour la passion. On parle de Léa Passion. Les passions qu'en plus maintenant de me taper, je vais devoir traduire. Grand plaisir. Ah bah voilà. Allez. Pour l'argent. Genre. Pas du tout. J'aime bien découvrir des jeux, mais c'est comme ça. Des fois, il y en a des meilleurs que d'autres, et voilà. Celui-là est très bon pour... Sinon, j'aurais pas continué, hein. Voilà, je ne suis pas mazo. Bah oui, bien sûr. Non, mais c'est juste qu'en fait, ils étaient trop loin, visiblement. Voilà. Donc maintenant, en plus, il va falloir que je retraverse toute la carte pour aller déposer là où il faut. Parce que les énigmes en elles-mêmes ne sont pas si compliquées pour l'instant. C'est juste qu'il manque toujours un truc en fait. Pour l'instant, niveau énigme, ça va quoi. C'est pas Talos quoi. Ok, pas de soucis. C'est juste que je clique toujours. Pas au bon endroit, que je sais pas qu'il y a un lieu que je peux explorer, que machin, que... Ça va être très long. Donc là, voilà. Je mets l'œuf de l'autre côté. Je tourne la manivelle. Et touc. Hein ? Et là... ok, là ça se complique un peu. Qu'est-ce que... Je peux pas... Allô ? Ah bah oui, j'avais pas vu le levier, pardon. C'est ça, exactement. Ouh. Les automates, quand même, c'est classe. Ça rajoute quelque chose. Du coup, maintenant, il faut que j'aille voir les doyens pour qu'ils me... les recteurs pour qu'ils me payent. J'aille voir les deux gus, là. Non, les cinématiques sont sympas, franchement. L'histoire est cool et tout, c'est juste, voilà, deux, trois trucs. Ça peut pas être parfait. Aucun jeu n'est parfait, voyons. Sans sel, les streams auraient moins de saveur, les gens. Oui. Non, attendez, ça c'est la bibliothèque. Hop. Messieurs, la musique fut. Messieurs, excusez-moi de vous déranger à nouveau, mais j'ai un petit problème. Un petit problème, un petit problème. Tout le monde a un petit problème. Ça se garde pour soi, et ça n'empêche pas le monde de tourner. Ni les trains d'avancer. Bien sûr. Messieurs, j'ai réussi à réparer le kiosque à musique de votre université. Le kiosque fonctionne à nouveau? Ceci est positivement merveilleux. Nous vous sommes très reconnaissants, vraiment. Oui, vraiment. Nous garderons un souvenir charmé de votre passage, croyez-le bien.
Soyons à notre tour respectueux de notre accord. De combien avez-vous besoin, mademoiselle? De 100 dollars, si ce n'est pas trop vous demander. Nous vous les accordons, mademoiselle. Vous voilà donc maintenant en mesure de repartir avec votre train. Oula, attends. Merci, Jackie. Et d'ailleurs, quand repartez-vous? Oui, maintenant, il faut rapidement dégager votre train de notre gare. Nous causons, mais c'est l'heure du thé. Deux ou trois petits millions. Mon Dieu, comme le temps passe vite. On peut demander ce qu'on veut. Nous avons été positivement charmés de votre visite, mademoiselle. Je vous remercie infiniment, messieurs. Bon, allez. Adieu. Ils me détestent depuis le début, mais ils sont quand même charmés. Ça qui est beau. Allez, on va retourner voir. Les personnes. Oh là là. C'est loin, hein. Ils vont me dire que de toute façon il faut un autre truc et qu'il faut un autre truc et tout ça. Hein. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Allons-y. Tenez, j'ai de l'argent. Tenez, voici votre argent. J'ai bien vérifié, le compte est bon. Ça tombe dans l'eau. Ah, merci. Finalement, pas difficile à avoir dollars, toi, être vraiment femme d'affaires. Je ne suis pas la seule. Nous, contents de faire affaire avec toi. À présent, toi, ouvrir écluse, sinon nous pas pouvoir aider toi. Pourquoi vous n'avez pas réussi à les ouvrir, vous? Ça doit pas être bien sorcier. Bah, vous en faites penser à nous, est-ce que dit Klein, madame? Vous essayez, madame, vous nous comprendre, et alors à Caput, on a un problème, bordel. Si, ce soir, moi. Et boum, téléphoner à une Caput. Mon mari dit explication compliquée. C'est ça. Nous pas comprendre mode d'emploi. Mon mari, il est très fâché, beaucoup énervé. Beaucoup. Maintenant, téléphone Caput cassé. Voilà qui est effectivement ennuyeux. Mais alors, que comptez-vous faire? Nous attendre des panneurs. Je n'ai pas le temps d'attendre. Je vais aller voir. Il y a sûrement un moyen de débloquer ce système d'ouverture. Prends clé, marinier toujours avoir besoin de clé pour écluse. Ah. Merci. Ok, merci. C'est pour ça que je pouvais pas l'ouvrir avant. Ok, tout c'est clair. Et moi j'ai déjà essayé d'appeler, hein. Ça a été un moment incroyable de l'administration. Heureux. Peut-être sauvegarder. Ça peut être une idée. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous pour la sauvegarde? Allez, on y va. Peut-être réussir à repartir dans la soirée, hein, qui sait. Ah, il y a le monsieur qui doit m'appeler aussi pour sa conférence, là. On n'est pas prêt de partir, hein, à moi qui te le dis. Tiens. Allô? Kate, comment va ma petite fille? J'ai pensé à toi pas plus tard qu'hier en voyant un splendide manteau de fourrure. Tu es bien couverte au moins. Dans ces contrées lointaines, on ne sait jamais comment s'habiller. Maman, c'est gentil de t'inquiéter, mais tout va bien. Mon voyage se déroule sans problème. Enfin, presque. Et quand comptes-tu rentrer? Franck s'impatiente de te connaître. Franck?
Ah oui, ton chanteur. Ça va bien, vous deux? Tu ne sais pas la surprise qu'il m'a faite hier? Bah non. Brock était invité à un grand gala de charité organisé par... Oh, je ne me souviens plus. Aucune importance. Ils l'ont prié, bien sûr, de chanter deux ou trois airs de son répertoire. Et à la fin, figure-toi, il m'a demandé de le rejoindre. Moi, ta mère, sur scène devant des milliers de personnes. Effectivement, j'aurais voulu être là. Pas trop émue? Oh, terriblement, surtout qu'en ayant pas été prévenue, je n'avais pas pu passer chez le coiffeur avant ni prévoir une robe de circonstance. Enfin, Franck m'a promis qu'il ferait attention la prochaine fois. Il est charmant. Ah, oh, je n'en doute pas. Je voudrais tant que tu sois parmi nous quand l'occasion se présentera. Voyons, quand est son prochain gala? Oh, c'est pas, j'ai oublié. Avec l'âge, je perds complètement la tête, mais dis-toi, Kate. Les années nous rattrapent plus vite qu'on ne croit. Je vais faire bien attention, maman. Ton appel m'a fait très plaisir. Je t'embrasse. Moi aussi, ma puce. Ouais, ouais. Salut. Hein. Y a que des gens qui nous demandent quand est-ce qu'on rentre toutes les 5 minutes. Non, mais bon. Des appels comme ça, de temps en temps. Mais par quel côté j'y vais? J'y aille de l'autre côté? Comment je fais? Alors... Ou alors c'est sur la console qu'il faut la clé? Ah oui, complètement. Mais où est-ce que je la mettrais? C'est pas du tout là. Non, ils m'ont dit de le faire manuellement, donc il doit y avoir un endroit sur l'écluse où je peux y aller. Alors. Regardez de l'autre côté. J'ai pas vu, mais... Ah bah oui, mais mon chat, t'es un petit peu... comment te dirais-je? Un petit peu lourd. Voilà. Attends. Ah d'accord. Je suis désolée. C'est comme lui, en fait, en ce moment, il se couche sur moi la nuit. Et en moi, il ne comprend pas qu'il est lourd et que je ne peux pas respirer avec la personne sur ma poitrine. C'est pas compliqué. Hein. Et lui, il se vexe. Genre, tu ne m'aimes plus. Terrible. Oui, de l'autre côté, je peux pas y accéder non plus. Comment je fais? Parce que là, je peux pas y aller. Enfin, là, c'est vers le mur, du coup, ça n'a aucune sorte d'intérêt. Ça, c'est... Ok, Tango, des bisous. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée, bonne nuit. C'est ça. Ouais, non, c'est pas par là. Bon. Où est-ce que je dois utiliser la clé? La personne m'a quand même dit de me débrouiller, donc bon. Est-ce que je dois rappeler le numéro? Parce que bon, peut-être pas le rappeler trois fois, quoi. Quoi? Qu'est-il? Pas y aller. Bah, ils veulent que j'ouvre l'écluse, donc
Moi, je veux bien, mais... Et voilà, quoi. Visiblement, il faut que je le fasse manuellement. Ah, je peux... Ah! J'ai essayé de cliquer 10 fois dessus, à peu près, hein, quand même. Ah, il me faut le code. Les instructions sont écrites dans une langue que je ne connais pas. C'est super! Ah, ok. Il faut que je rappelle. C'est quoi le numéro déjà? 27, 66, 67, 42. Chut. Oui, c'est bon. Ça avait donc un sens. Bienvenue au centre de contrôle des écluses de l'Est. C'était 2 et 4. Pour commencer, appuyez sur dièse. C'était... S'il s'agit des écluses de Altenburg, c'est appuyez 4. Sur le 1. Des 4 et 2. S'il s'agit des écluses de Morlock... Si vous souhaitez faire monter le niveau d'eau, appuyez... Oui, c'est bon. Chut. Vous... Chut. Votre... Oui, c'est bon, c'est bon. Compris. Les instructions sont écrites dans une langue que je ne connais pas. C'est pas ça. Les instructions sont écrites dans une langue que je ne connais pas. C'est embêtant. Non mais ça, je ne sais pas pourquoi c'est. Hein. Faut que... C'est marqué que c'est trop compliqué pour lui, mais attendez, au moins il parle allemand, quoi. Moi, je sais pas parler. Non, mais je me disais que peut-être ça avait un rapport avec le truc du téléphone. On sait jamais. Donc voilà. Je teste des choses. Visiblement, c'est un nom. Allez voir Jackie, d'abord. Excusez-moi de vous déranger. Que puis-je pour vous, mademoiselle? Pourriez-vous m'expliquer le fonctionnement des écluses du canal, s'il vous plaît? Il s'agit d'un ingénieux système de bassin permettant aux bateaux de passer l'obstacle constitué de la déclivité du cours d'eau. Une sorte d'escalier pour bateaux, en quelque sorte. Ah, j'aime bien m'asseoir sur le quai, regarder les péniches. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. J'ai besoin de connaître la manœuvre précise d'ouverture et fermeture des vannes pour justement faire varier ces niveaux d'eau. La manœuvre précise? Oh, moi, je la connais pas. Vous savez, les trains et les péniches, c'est très différent. Super, bah merci. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, monsieur le chef de gare. Bienvenue à Barockstadt, mademoiselle. Parce que bon, les écluses en soi, je sais ce que c'est. Je peux juste pas lire la langue. Donc on fait comment? Donc elle vient de me dire que son mari, c'est trop compliqué pour lui de lire les explications. Qui peut m'aider à lire les explications? Demande à Oscar, il va pas vouloir sortir. Les gens de l'université. Je vais aller demander aux gens de l'université, écoutez. La dame, elle veut pas. Hein. Moi, j'ai déjà testé. Je peux retourner la voir, elle va me dire qu'elle comprend pas, et tout ça. Hein. Donc, bon. Je connais un peu la personne.
Ohé, du bateau. Ohé. Guten Tag, schöne mademoiselle. Mon mari dire bonjour, petite dame. Toi veux nous parler? Ce sont les écluses qui vous empêchent de continuer votre voyage? Ah, péniche, pas passé, écluses fermées. Il suffit peut-être de les ouvrir, tout simplement. Sorry. Nein, pas possible, nous avoir déjà essayé. Système kaput, maintenant. Oh, je suis désolée pour vous. Nous sommes tous, en quelque sorte, des captifs de Barockstadt. Drôle d'histoire, n'est-ce pas? Voilà, il savait rien. Je vous laisse, je ne voudrais pas vous déranger davantage. Das Vidania. Voilà. Donc voilà. On ne sait pas. Comme d'hab, je vais devoir demander à tout le monde. Pourquoi du comment. Donnez-moi un dico et puis je traduis. Hein. Quel enfer. Oh là là. Bon, bah on y retourne. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai passé, parce qu'au début j'ai tout écouté. C'est comme les trucs d'orange et bouille, etc. Un très grand plaisir. Le professeur, il est où? Il est toujours dans son labo. Sinon, faut que je fasse quelque chose avec ça, mais je vois pas quoi. Là, tout de suite maintenant, je pense que ça a pas grand intérêt. Que voulez-vous savoir, mademoiselle? Il semblerait que pour continuer mon voyage, les écluses doivent être ouvertes. Eh bien, mon enfant, faites donc. Ouverte, fermée, personnellement, je ne vois pas la différence. Oui, non mais... Je vais vous laisser. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Pardon? Mais pas du tout, voyons. C'est pour savoir si je savais quelque chose, tu vois. Alors, on va peut-être regarder ce qu'on avait sur... c'était pas ça, sur l'autre truc. Non. Je peux l'utiliser sur ma personne, imaginez. Je peux pas combiner deux objets. Non. Réponse à nous. C'est vrai. Bon, de toute façon, je pense que je vais arrêter là. On cherchera la prochaine fois. Parce que là, ça fait... Il commence à faire tard, quand même.